cadre d'un projet de construction d'une académie sportive dans la commune de Lantélé, l'ancien joueur de l'équipe nationale Chabani Nonda est venu solliciter du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jean-Claude Molipé, l'installation d'une police de proximité, question d'assurer la sécurité du lieu. Je suis venu d'abord lui présenter un peu quand même, mais lui féliciter d'abord, et puis aussi lui présenter mon projet que je suis tenté de monter au niveau de l'Ancelé, de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comme le chef de l'État a demandé, s'il y a des privés, si on peut mettre en place des publics privés, ça sera quelque chose de bien, parce que là on aura besoin de la sécurité, et on veut mettre qu'on installe un peu la police de proximité à l'académie. On veut faire du sport, c'est le sport, mais on installe la police au milieu sportif. Ça veut dire qu'il y a les sportifs qui peuvent s'exprimer, mais aussi ils ont besoin de sécurité. Ça veut dire qu'on met les locaux de la police à l'académie. Et là, il a accepté, ils sont prêts à nous accompagner. Les infrastructures sont là, ils sont pour tout le monde. Ça veut dire que quand les policiers veulent s'entraîner, comme on sait, c'est des grands sportifs, ils auront l'accès. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui doit être élargi au niveau des attentes, par exemple urbaines ici, pour créer de la police d'excès, de proximité. C'est des choses qu'on pourrait voir au niveau du gouvernement. Et là, d'abord, c'est l'Académie Nonda Chabani qui est en construction, qui sera inaugurée dans quelques, disons, d'ici 24 mois. C'est une réponse positive que le numéro 2 de la territoriale a réservée à Chabani Nonda, qui apporte sa part de contribution pour l'émergence du pays. Okay.